Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire proposé par VMware à l'occasion du rendez-vous des décideurs IT édition. 2022, le sujet du travail hybride touche aujourd'hui toutes les entreprises et la question des solutions et des équipements à choisir ou à favoriser est aujourd'hui au cœur des préoccupations des DSI avec en premier lieu le sujet du cloud et de la gestion multicloud dans cet environnement de travail nouveau, hybride et évidemment encore en construction. Comment mettre en place et gérer une solution multi-cloud Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau des, du rendez-vous des décideurs IT pour en parler, Mickaël Tissandier, expert en architecture multi-cloud chez VMware. Bonjour, Mickaël Tissandier. Bonjour, Nicolas. Bon, j'ai annoncé la problématique. Hein, euh, comment mettre en place et gérer une solution multi-cloud Vous êtes expert en architecture multi-cloud. Normalement, à la fin de notre, <laughs> hein, de notre discussion, on devrait quand même avoir quelques éléments de réponse sur le sujet. Avant de rentrer vraiment sur le sujet multi-cloud, j'ai envie de vous poser une question très générique. Ouais. Euh, on est sur... Euh donc le rendez-vous des décideurs IT la thématique de cette journée c'est le travail hybride euh, un mot de contexte peut-être pour commencer où en sont, où en sont vos clients aujourd'hui sur ce sujet qu'est-ce que vous constatez sur le sujet du travail hybride Bien, Sur le travail hybride je pense qu'il y a quelque chose d'assez fondamental c'est justement ce positionnement qu'ont aujourd'hui les entreprises sur le, sur le multicloud euh, aujourd'hui on a à peu près 73% des entreprises type Cap40 qui ont euh, une, une démarche de multicloud donc ça veut dire qu'ils ont un un hyperscaler ou plusieurs hyperscalers et euh, dans ce cadre là euh, en fait bah, le, le travail hybride euh, prend, prend tout son sens notamment euh, grâce aux applications finalement on s'aperçoit euh, si on prend euh, un élément de contexte que les applications quelque part euh, sont un driver pour l'adoption de ce multicloud okay. euh, et euh, le, le favoriser justement ce travail hybride alors, justement, on en vient au sujet multi-cloud, donc en fait, on ne peut pas parler de travail hybride sans parler de multi-cloud, c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, <laughs> c'est ça Alors, pas forcément, mais c'est vrai que une, ça fait partie d'une base assez, assez intéressante et assez, assez structurante des entreprises, parce qu'elle permet justement d'aller distribuer cette application et distribuer le travail dans le, dans le monde dans lequel, dans lequel on vit. Parce que historiquement, ça n'a pas été le cas. Si on revient, par exemple, je sais pas moi, 20, 30 ans en arrière, on était plus sur des systèmes très centralisés. Bien sûr, euh, ouais. du point à point. Primace, bien sûr, on avait tout on-premise. Exactement, on-premise, et puis euh, c'était long et fastidieux avant de rentrer une nouvelle application. Euh, là, la, la, la donne a un peu changé, je dirais. On est vraiment dans, cette, euh, dans cet éclatement de, de, de l'application et dans une consommation complètement, euh, complètement hybride. Alors, sujet multi-cloud, maintenant, si on, si on précise un petit peu effectivement ce contexte et les enjeux auxquels font face les entreprises, quand on parle de multi-cloud, quel est le contexte aujourd'hui au sein des entreprises et quels sont les enjeux ou les challenges Auxquelles font face ces mêmes entreprises. Bah, le contexte, je l'ai un peu décrit euh, juste avant. C'est la partie applicative, c'est la partie modernisation. Vraiment, on par là, par ouais, l'application, par l'application, par la modernisation de cette application okay. euh, ou des applications d'entreprise. Gros frein. Au niveau de, ce, de cette modernisation des applications, généralement, c'est euh, l'historique. D'accord. Hein, c'est ce qu'on appelle la dette technique. Ouais. Donc, cette dette technique, elle peut être soit applicative, c'est-à-dire que l'application, elle, n'est pas forcément euh, hybride, mm -hmm. c'est-à-dire peut aller euh, sur plusieurs euh, clouds. On, on peut donner un exemple d'application. C'est quoi C'est des applications internes à l'entreprise, des applications qui ont une vertu commerciale ou d'accompagnement bah, C'est euh, tout ça à la fois ouais, C'est juste le, simple, le, le mode de travail, en fait, qui passe par l'applicatif aujourd'hui alors en fait, quand, euh, quand on fait, euh, c'est une, une question là, de, 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 simplement de, de, de recherche de son, de son parc applicatif. C'est-à-dire ouais. qu'on va avoir des applications de plusieurs types. On va avoir des applications qui vont être euh, historiques, par exemple, si je reprends, euh, euh, la Fnac pour aller euh, chercher euh, dans, dans le stock, c'était historiquement des choses qui traînaient sur de la S400. Ouais. C'est compliqué d'aller porter ça sur du multi-cloud. Maintenant, vous avez Fnac.com qui, 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 qui se développe euh, et euh, qui est capable de vous fournir, euh, comme Amazon, euh, les produits chez vous. Donc, euh, le back-end euh, est compliqué à, à bouger, je dirais, alors que le front-end, lui, est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, à distribuer ouais. et pour une extension et une expansion de Entreprise beaucoup plus simple. Donc, dans une stratégie euh, d'entreprise qui est de plus en plus portée sur des usages numériques, l'applicatif prend une part de plus en plus conséquente et euh, l'applicatif est la porte d'entrée vers une stratégie. Multi-cloud, comme vous nous le disiez, ouais. avec, disiez, avec un frein qui est euh, bah, l'historique, la dette technique qu'on peut Exactement. avoir au sein des entreprises. Euh, comment est-ce qu'on crée euh, des applications en lien avec les enjeux d'aujourd'hui, mais si on, a encore, si on subit quelque part encore les outils d'hier C'est ce qu'il ce qu faut comprendre. Exactement. Donc, euh, en fait, on va toujours traîner euh, et on va toujours travailler avec les deux. C'est-à-dire ouais. que dans, dans, ce, dans cette transformation numérique que vont, euh, euh, vont réaliser les entreprises, Finalement, ou réalisent réalise déjà pour, ouais. pour certaines d'entre elles. Ouais. Voilà, C'est-à-dire qu'on va, on va se retrouver dans, euh, dans, dans, dans deux cas de figure. En premier cas de figure, on part from scratch, par exemple Uber ou d'autres types d'applications euh, from ouais. scratch. Donc là, c'est vrai qu'on peut partir sur du public euh, largement distribué. Ou alors, on a des entreprises plus, histori plus, plus historiques qui ont euh, du back-end chez eux, qui ont des applications qui sont très liées à leur cœur de métier, euh, dans des usines par exemple. Ouais, bien sûr. Euh, et, et là, ça va être plus compliqué de faire le pas directement euh, dans la partie euh, euh, public cloud. En revanche, ce qui va se passer en termes d'organisation, c'est qu'on va voir deux types d'organisation un peu parallèles euh, se développer, avec euh, effectivement le patrimoine applicatif qui va rester euh, le cœur de l'entreprise, les, 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 vraiment le, le cœur de l'entreprise, et à côté, cette nouvelle transformation euh, applicative, donc avec les nouveaux besoins, les nouveaux enjeux clients qui vont se développer. Et ça, ça va se passer de manière vraiment… On ne va pas y avoir un, un, une rupture. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qu'on voit euh, si on prend des, 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 des entreprises historiques euh, américaines ou françaises. Euh, on voit toujours des, des applications qui sont historiques, que ce soit Sanofi, que ce soit Général Electric, que ce soit BNP Paribas, par exemple. Il y a toujours du back-end qui reste le back-end euh, pur et dur. Parfois sur du mainframe, parfois sur de ls 400 Et on a derrière des services clients, des nouveaux services clients, euh, qui, avec de la croissance, hein, des services à croissance. Ça, c'est important de bien voir que euh, ce multi n'est pas là uniquement euh, pour un, nouveau, euh, un, nouveau, un nouvel enjeu technologique, un nouveau bien joujou -jou, ouais. euh, voilà, pour, les, pour, pour les IT. Mais c'est vraiment un certain nombre de bénéfices. Et les bénéfices, c'est quoi C'est euh, une, une croissance. Euh, assez importante au niveau euh, des, des, des nouveaux clients, des nouveaux services de l'ordre de 30 à 35 donc c'est bénéfice bénéfices intéressant. Euh, également des baisses en termes de coûts opérationnels. Euh, disons que l'application étant distribuée et étant gérée directement dans des clouds de publics, eh bien, on va avoir une baisse drastique de tous les coûts euh, liés à la, mise, euh, à la mise à jour, par exemple, des systèmes, euh, à la mise en œuvre de ces systèmes, euh, et puis à la dette technique ne pas Bien hein, sûr, un, ouais. un Amazon, un Google à vous dire ah bah, j'ai une dette technique, je peux pas mettre ce service en, en place. Ça, ça n'existe pas. Ils sont de, toujours dans la, la dette technique d'ailleurs dont, dont vous nous parliez. Alors effectivement, donc, euh, non, alors, on va peut-être finir sur les bénéfices. Donc effectivement, mm. on a euh, une, une, une croissance potentiellement de clients, voire même de chiffre d'affaires. Alors après, c'est peut-être pas le, la, le, le lien est peut-être pas exactement le même, mais donc d'une trentaine oui. de pourcents à peu ouais. près. On a euh, une baisse des coûts opérationnels. Il euh, y a d'autres bénéfices effectivement. Une stratégie multicloud cloud ouais, Il y a de la productivité en fait hein, sur, les, sur, les nouveaux, euh, sur les nouveaux usages. Que, que vont avoir les, les, les clients, donc ils vont être beaucoup ça va être beaucoup plus simple par exemple de, de mettre à jour votre contrat d'assurance, d'aller bloquer votre carte bleue euh, très rapidement grâce à ces Bien nouveaux sûr. usages. Oui. Euh, C'est également quand on parle du, du travail hybride plus de productivité parce que cette, cette, euh, cette application va être euh, massivement distribuée et donc massivement euh, disponible quasiment euh, beaucoup plus enfin, beaucoup plus disponible on va dire et euh, en fonction de la charge qu'elle va avoir, c'est-à-dire que si vous rentrez euh, je sais pas, moi, euh, une dizaine, une centaine de transactions euh, par, par, euh, par, par jour, ou 1000, 10 000 transactions ouais. par jour, c'est pas la même chose. Bien Et sûr. donc, ouais, ouais. ces applications-là sont faites euh, nativement pour aller. Euh, évoluer à la hausse ou à la baisse et gérer est... une croissance d'entreprise ou une croissance d'activité spécifique au sein d'une entreprise par exemple exactement euh, c'est-à-dire que on peut même imaginer des, des usages qui sont plutôt en saison hein, donc une saisonnalité euh, avec je sais pas moi la période des fêtes ou la période des vacances euh, où on va plutôt bénéficier euh, un, un modèle multi-cloud avec de l'hybride tout en gardant notre notre savoir-faire on-prem on va être capable en fait d'aller d'aller consommer de manière ponctuelle à la demande eh bien, cette application et la portée sur un cloud public, Ça, c'est les bénéfices, effectivement, ouais. d'une stratégie multicloud. On a envie de vous demander, euh, du coup, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas équipé des dernières versions exactement, euh, multicloud voilà. J'imagine <laughs> qu'il y a un certain nombre de challenges, euh, ou en tout Alors, cas de défis à relever. Exactement. Alors, il y, y en a plusieurs. Moi, il y en a un qui me, qui, me, qui me vient en tête vraiment assez, assez simplement, c'est la compatibilité, tout simplement, euh, euh, des infrastructures euh, et euh, des opérations. D'accord. Comment on fait aujourd'hui si on va euh, sur un, un, un cloud A, B, C, qui soit public ou privé d'ailleurs. Hein. Ah donc euh, là c'est même pas un sujet avec la dette technique dont vous nous parliez tout à l'heure, c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, faire cohabiter différentes ben ça. solutions. C'est ça, ça. Basé sur cette dette technique. Si Basé on, sur cette si dette on, technique. Si on n'a pas, si pas de dette technique, eh ben c'est simple, on va ouvrir un nouveau service, on va le consommer, euh, on n'a pas de dette, donc forcément ça va être beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Euh, maintenant, dès qu'on a une petite dette technique, euh, comment on fait pour que cette dette technique soit effacée, gommée, transparente, vis-à-vis -vis ouais. de l'utilisateur, mais également vis-à-vis euh, -vis, euh, de ceux qui exploitent au jour le jour la, la, les, les solutions Eh bien là, on va se retrouver avec euh, quelque chose d'assez euh, simple, c'est que soit c'est possible à 80%, 70%, ouais. ce qu'on appelle le lift and shift. Mm -hmm. Donc on va prendre les applications, on va les envoyer entre guillemets dans le cloud, euh, et donc ça, ça peut fonctionner, mais euh, c'est comme euh, la votre. C'est le 80-20, donc 80% ouais, va bien se passer, va mmh. prendre 20% du temps, et par contre on va passer énormément de temps à, à migrer ce qui reste. Et ce qui reste, c'est peut-être le plus important. On ne va pas commencer par forcément la plus importante pour faire notre, <laughs> notre migration. Euh, donc ça, c'est un des, un, un des enjeux. Premier défi donc, Pre compatibilité. Ouais, c'est ça. Et euh, après, faut, ce qu'il faut voir également, c'est que les équipes techniques vont avoir, euh, si on est dans une stratégie multi-cloud vont nécessiter de multiples compétences. D'accord. Elle gère déjà le on-prem, il faut qu'elle gère le public cloud A, B. C, avec des, des services un peu différents dans ces différents. Et c'est des compétences différentes pour le cloud A, B et C, par exemple Mécaniquement, ça a été développé par <laughs> des gens qui, qui, qui l'ont pensé différemment. Donc, effectivement, ouais. c'est comme une voiture, quoi, on va mmh. dire ça comme ça, sauf que bah, ça ne se pilote pas exactement de la même manière. On a compris que ça avançait, que ça reculait, mais les boutons ne sont pas vraiment à la même place. Oui, l'usage euh, est le même, mais la façon de le faire fonctionner n'est pas forcément exactement. la même. Exactement. Donc là, l'enjeu, le, le, ça, ça va être justement de pouvoir amener une capacité. De, de, de simplification pour la gestion au jour le jour euh, des équipes IT de ces de cette stratégie multi-cloud. Donc compatibilité, compétences. Oui. Il y a d'autres défis pour les DSI euh, qu'il faut relever quand on met en place une stratégie multi-cloud. Alors quand on met en place une stratégie multi-cloud également, il faut bien faire attention aux coûts. Mm -hmm. euh, autant les coûts on-prem on les connaît, c'est généralement des coûts d'acquisition et puis des coûts euh, récurrents qui sont euh, assez maîtrisé on va dire ça comme ça. Oui. Euh, autant quand on part sur une stratégie multi multicloud et sur une stratégie cloud public, on peut avoir un certain nombre de surprises sur la facture. Euh, pourquoi Tout simplement parce que l'usage est différent du, de ce qu'on fait on-prem. On-prem, globalement votre application peut tourner euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Bien vous sûr. allez la payer la, le même prix. Or si vous faites la même chose dans le cloud public, eh ben, c'est beaucoup plus facturé. c'est facturé. Voilà. Euh, à l'heure, euh, à la journée, etc. Donc, l'usage également, c'est pour ça que je disais tout au début qu'il y, y a des applications qui vont vraiment être très intéressantes de porter dans le cloud public et d'autres en euh, on-prem, parce que le modèle également de fonctionnement de ces applications est différent. Alors, il y a un quatrième challenge, vous me l'avez dit, donc je rappelle compatibilité, euh, compétence, coût. Ouais. 3C, est-ce qu'on est sur une loi des 4C avec un quatrième, <laughs> euh, avec le quatrième défi euh, Non, je pense non. pas. Non. <laughs> on essaiera de trouver pendant le <laughs> webinaire, ouais, alors dites-nous, <laughs> effectivement. Ouais. Euh, on n'en a que trois, il n'y a pas de, quatre, pas de quatrième. Non, non, ça me non. paraît bien. Ouais. Ça vous paraît bien, ouais. ok, super. Euh, donc là, maintenant, on a euh, évoqué les, euh, les défis, donc euh, compatibilité, compétence, coût, euh, que rencontrent les DSI dans une stratégie multi Maintenant, on a dit euh, ce qu'il fallait surmonter. La question c'est comment je construis, quand je construis cette stratégie multi-cloud, comment je gère ce sujet bah, de, de choix, de stratégie et de mise en place de mon multi-cloud ou du multi-cloud, de, de la stratégie multi-cloud de l'entreprise Alors euh, il, y deux, il y a deux aspects à, à, à cette, cette question-là. Il y a un aspect qui est un aspect technique ouais. et il y a un aspect qui est plus euh, organisationnel ou opérationnel. Si on prend l'aspect technique, euh, globalement, il y a des moments qui peuvent être intéressants, qui sont des, mouvements, des, des moments de euh, refresh technologique, oui. euh, de modernisation du data center on-prem, qui peuvent aider euh, les DSI à mettre en place un système on-prem qui va être complètement compatible avec euh, une stratégie multi-cloud. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire quelque part, euh, je vais être capable également euh, d'avoir. Une tour de contrôle, quelque part, de tour de contrôle qui va me permettre d'orienter mes choix de positionnement d'application, d'accord, dans cette stratégie multi multicloud, euh, et qui va m'aider également à gérer de manière beaucoup plus simple euh, bien justement ce que je décrivais tout à l'heure comme étant un frein, mm -hmm. euh, c'est-à-dire le, le, le training des équipes sur les, les, sûr, différents, ouais. les différents clouds. Donc il y a une consistance d'infrastructures à mettre en place et une consistance au niveau des opérations. Un mot peut sur les, les bénéfices de la, la mise en place d'une stratégie euh, multi-cloud, parce qu'on a parlé des défis, une fois qu'on les a relevés, qu'est-ce qu'on y gagne en alors, tant que DSI Alors, en tant que DSI, ce qu'on peut, qu peut y gagner, c'est euh, déjà euh, une simplicité euh, dans le fait d'aller sur une stratégie move to cloud. Aujourd'hui, euh, on a vraiment un, un, un frein assez important entre ce qu'on a on-prem et dans, le, dans la partie public, public cloud. Donc, l'un des, des bénéfices, c'est rapidement pouvoir passer son existant, euh, qui peut tourner sous forme de machine virtuelle par exemple, euh, directement sur les hyperscalers. Okay. Donc, dans une stratégie multi-cloud, ça peut être en termes de cas d'usage de la production, mm -hmm. ça peut être également, et on le voit de plus en plus, en termes de cas d'usage du, euh, du PRA, de d prendre prise d'activité. Oui, Donc, euh, on n'a pas envie de dépenser euh, des, des millions d'euros pour aller acheter des salles qui dorment, et qui ne font rien. Donc là, on a la capacité aujourd'hui d'aller proposer un PRA dans le cloud, vous choisissez votre cloud pour aller faire votre euh, PRA, et donc là, avoir des bénéfices assez intéressants. Donc réduction des coûts euh, de, de, de CAPEX, et vous passez tout en OPEX. Donc après, en termes de, de stratégie d'investissement des entreprises, ça peut être également intéressant de passer sur de l'OPEX versus du CAPEX. Sous, réverse, sous réserve qu'il y ait quand même toutes les conditions de sécurité réunies, parce que le, le jour où on veut effectivement actionner ce plan de reprise d'activité, il faut qu'il fonctionne. Mais, euh, mais oui, effectivement, d'un point de vue... Euh, enfin, J'imagine qu'on audite ça quand on se lance dans ce type de stratégie. Il y a d'autres bénéfices sur, sur, en ce qui concerne la mise en place d'une stratégie multicloud ben, En fait, ce qu'on va pouvoir mettre en place, c'est euh, également euh, des, quand on met en, donc, je, je parlais des, des moments. Euh, L'un des moments intéressants, ça peut être de, euh, lorsque l'on fait un changement technologique. Euh, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les clients on-prem s'équipent avec des, des stacks complètes oui. euh, de type euh, hyper-convergé. Donc, euh, VMware en propose une également euh, qui permet justement de, non seulement d'aller mettre en place un, un socle hyper-convergé, donc d'avoir un modèle d'évolution à la hausse et à la baisse complètement automatisé Bien sûr. de votre Software Defined Data Center, mais également complètement compatible avec la partie publique. Et donc là, la cohérence d'infrastructure, peut être assez intéressant dans le sens où vous rajoutez de la mobilité dans votre application. On parlait tout à l'heure de, de la saisonnalité et donc là, ça peut être intéressant de se dire, eh bien, hors saison, je vais faire, je vais faire tourner mon application dans mon data center et lorsqu'il y a le pic euh, saisonnier, je suis je capable. Pas cloud. Exactement. Et je suis capable parce que j'ai une, co une, co une cohérence d'infrastructure, ma machine virtuelle. Je la, je la bouge, hein. c'est un Vmotion, c'est depuis 20 ans, mais nous on l'a exp exporté dans le cloud public. On travaille aujourd'hui avec quasiment tous les hyperscalers et un peu plus de 4000 service providers dans le monde, d'où à peu près 300 en France, euh, et qui permet directement d'aller migrer votre application et donc d'avoir cette euh, fameuse réversibilité également, en termes de bénéfices, euh, dont on parle euh, assez rarement quand, Bien sûr, euh, oui. quand on approche la, la partie public cloud. Pourquoi Parce que lorsque vous déployez, lorsque vous dé dé développez, votre application dans un cloud public, généralement le lock-in il est fait avec ce cloud public. Vous n'avez pas la possibilité ouais. de bouger ou de, ça, de bouger votre application. Il faut la réécrire sur un autre cloud public ou il faut la réécrire on-prem. Nous ce qu'on propose c'est vraiment d'avoir un système qui est compatible. En termes d'infrastructure, euh, et qui permet de, euh, de bouger cet applicatif euh, en fonction des clouds publics. Donc de faciliter finalement le, 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 oui, enfin, le, le changement d'un cloud ou d'un autre pour l'applicatif parce qu'on revient à ce que vous nous disiez au début euh, le, le, la priorité c'est l'applicatif. Le multi-cloud n'est qu'un moyen et il faut faciliter l'usage du moyen. Oui, exactement. exactement. Euh, si je reviens sur les bénéfices, donc, euh, vous nous en avez deux. donné deux il y a d'autres bénéfices effectivement au, au passage sur une stratégie multi-cloud bah, en fait, ce qu'on peut, qu peut faire également lorsqu'on met ce, cette stratégie multi-cloud en place, c'est également une audite des coûts. D'accord. Euh, donc, euh, on est capable euh, de, de mettre une fameuse, cette fameuse tour de contrôle dont je parlais tout oui, à l'heure, bien, euh, bien en amont, et de décider en fonction de la disponibilité, en fonction du coût, euh, en fonction de. Pas moi Du, du nombre d'employés de, que j'ai dans une ou de services que je veux déployer dans une zone géographique, et eh bien d'aller déployer ma nouvelle application dans telle ou telle zone tout en maîtrisant un certain budget. Alors, et ça, quel que soit le cloud, le cloud public ou on-prem que l'on que, que a choisi. Alors, je vous propose de rentrer peut-être un peu dans, dans le détail des, des solutions ou des technologies. Quand on met en place une stratégie multi-cloud, comment on fait pour choisir ses équipements Comment on fait pour. pour pour euh, comprendre ce dont on a besoin quand on est conscient effectivement du fait de ses forces et de ses faiblesses vis-à-vis -vis de la stratégie qu'on peut mettre en place au sein de son entreprise. Alors, je dirais le choix, du, le choix du matériel, il est toujours un peu. Euh, un peu euh, et pas touchy, mais je veux dire, il n'y a, a pas vraiment de grosses différences aujourd'hui sur le, sur le marché. Un serveur reste un serveur, du stockage reste du stockage. En revanche, le, 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 la chose importante lorsqu'on souhaite moderniser son data, son data center, c'est tout ce qui va être lié au niveau des opérations. Donc, les opérations, c'est quoi C'est le fait déjà d'aller construire. Euh, ce Software Defined Data Center. Aujourd'hui, ça prend euh, des semaines, des mois. Euh, nous, on est capable de euh, construire ces data centers en quelques heures. D d si vous avez les prérequis, des serveurs avec des disques à l'intérieur, on a un modèle hyper convergé, euh, VCF en l'occurrence, qui permet d'aller euh, euh, mettre en place ce Software Defined Data Center de manière complètement automatisée, complètement industrialisée, et en gérant le cycle de vie de bout en bout. Pourquoi c'est important Parce qu'on le sait très bien, et, et les DSI qui me regardent le savent très bien, plus on multiplie le nombre de produits dans notre écosystème, ouais. dans notre data center, plus il est compliqué de faire deux choses. De déployer, parce qu'il y a un problème de compatibilité. D'accord, le même de, que celui qu'on pouvait ouais, avoir sur ben Est-ce que c'est compatible ouais. ou pas Et euh, de mettre à jour. D'accord. Parce que si vous mettez à jour A, peut-être que B, C. Supportons pas cette mise D'accord, bah, toujours en lien avec la compatibilité. Voilà, effectivement, c'est pas entre 3 euh, ou entre 10 euh, terminaux, c'est entre 10 terminaux qui peuvent être mis à jour 10 fois et donc c'est exponentiel le moment où finalement ils ne sont plus compatibles entre eux. Donc il faut, ça, il faut gérer ce sujet-là. Ouais. Il, faut, il, faut, il, faut, il faut gérer, il faut, il faut gérer euh, la, la cohérence d'ensemble et ça c'est ce qu'on fait. Donc, on, on fournit aujourd'hui euh, dans, dans des grands groupes, hein, on, on a fait euh, plusieurs projets, je pense à un exemple bancaire euh, espagnol, euh, où euh, finalement euh, on, on les a aidés euh, à baisser euh, drastiquement leurs coûts leur coût d'exploitation, ils ont gagné à peu près 40% en termes d'opérations. Mm -hmm. Donc euh, ça ne leur a pas permis tout simplement de se séparer de 40% de leurs employés, Bien sûr. ça leur a permis à ces employés de se préparer à la vague d'après. Et c'est quoi la vague d'après ouais. C'est les containers, c'est la le machine learning, c'est l'intelligence artificielle. Et donc justement en libérant du temps, parce qu'on automatise, on permet justement à l'IT de grandir et de devenir stratégique pour les business et pour le, pour le métier de l'entreprise. Alors, intelligence artificielle et machine learning, on verra si on a le temps d'en dire un mot juste avant. Alors, vous l'avez un petit peu abordé effectivement, mais j'aimerais revenir dessus. Quand est-ce qu'on décide de passer sur une stratégie multi-cloud Est-ce qu'il y a un bon moment Est-ce que il faut le faire le plus vite possible Ou au contraire, réfléchir un peu avant ou mettre en place certains éléments avant de se lancer oui alors, il euh, n'y a, a, bon, a pas de bon et de mauvais moment. Je <laughs> ne vais pas, la, je vais pas refaire la blague, mais euh, c'est vrai que quelque part, euh, le, le fait d'avoir une stratégie de modernisation des applications, le fait d'avoir une stratégie de modernisation du matériel également, de refresh, de tech refresh de son, de son euh, data center peut être euh, un bon euh, moment. Pour réfléchir à avoir une vision un peu différente de ce qu'on apporte à l'IT, de pouvoir également réfléchir aux nouvelles technologies qui sont disponibles sur le marché et comment on peut les utiliser pour favoriser majoritairement la partie applicative, mais pas que, ça peut être vraiment sur la partie dirais, compatibilité d'infrastructures. Euh, on parlait de machine learning, d'intelligence ouais. artificielle. Ça, c'est des, des choses qui, dans les, dans les années à venir, vont être assez, euh, assez impactantes. C'est la prochaine révolution qu'on va, qu va, qu va connaître, c'est ça. On commence à la connaître un peu, mais on va la connaître beaucoup plus dans les, dans les prochaines années. Bon. Oui, un mot peut-être sur le, le timing, toujours. Donc, il y a effectivement, ce moment de refresh, donc là, c'est une nécessité presque en fait qui est liée au niveau de maturité ou entre, à l'investissement de l'entreprise. Ouais, euh, mais est pas, on n'est pas obligé d'attendre ce moment-là pour se lancer dans Multi-Cloud. Alors non, on peut se lancer dans le multicloud avant, euh, mais si on, si on se lance dans le multicloud avant, ça va être sur des cas d'usage euh, assez euh, en mode SaaS. Quoi. Oui, d'accord. Par exemple, si on veut externaliser un certain nombre d'applications, toujours la même chose, hein, euh, par exemple notre, notre messagerie ou euh, notre ERP ou ce genre de choses, si on a envie de les... De les, de les externaliser, ça peut être intéressant de voir cette stratégie multi-cloud d'abord sur un côté SaaS, mm -hmm. et puis derrière de voir quelles sont les applications que je souhaite euh, refactorer, donc celles que je, je souhaite euh, changer de. de donc, euh, passer d'un mode par exemple machine virtuelle à un mode container, ou celles que je, je souhaite carrément réécrire from scratch. Et là, le, le, côté, le côté multi-cloud fait, fait plus de sens parce que les développeurs qui sont dans l'entreprise, eux, vont forcément m'en donné avoir un choix. Euh, et, et une préférence sur le langage ou sur le mode de distribution. Euh, une fois qu'on a mis en place ce multi-cloud multi ou ce socle hybride, euh, comment est-ce qu'on peut aider l'entreprise pour continuer d'innover, euh, Michael Tissandier Alors, euh, aujourd'hui, ce que l'on voit de plus en plus, euh, c'est euh, au sein de la modernisation de ces applications, euh, l'avènement de Kubernetes, oui. et de l'orchestration des containers, euh, qui facilite grandement la mise à disposition, la création, la compilation, la distribution de ces applications euh, de manière massive et à l'échelle. D'accord, ça c'est ah. important. Et à l'échelle. Avant, ce qu'on voyait, c'était des monolithes euh, applicatifs où euh, finalement, il n'était pas compliqué de changer quelque chose, mais juste, en fait, les, les, les changements qu'on opérait au sein de ces applications, eh bien, euh, n'étaient pas, euh, pas euh, macro. Ça oui, impliquait des mises en production assez lourdes. On les mettait pas à l'échelle derrière, oui, d'accord. Okay. Et derrière, c'était compliqué de les mettre à l'échelle. Euh, Aujourd'hui, grâce euh, aux microservices, on est le moyen technique, c'est les containers. D'accord, euh, ces <laughs> fameux dont vous parlez fameux tout à voilà. l'heure. <laughs> on est capable justement de passer, de passer à l'échelle. Simplement, les containers, c'est bien, mais il faut les orchestrer. D'accord. Il faut les créer, il faut les détruire, il faut les bouger, etc. Et donc, euh, comment on fait aujourd'hui pour mettre en place ou pour consommer un orchestrateur de containers euh, de manière homogène, encore mm -hmm. une fois, sur cette stratégie multifactor, ouais. homogène dans l'entreprise eh bien, euh, nous, on propose à nos clients aujourd'hui, dans cette stratégie encore une fois VCF, de rapidement mettre en place ce service de type container, d'automatiser la mise en place de ce service-là, qui peut être mis en place extrêmement rapidement. Généralement, c'est entre une heure et demie et deux heures qu'il faut pour mettre en place l'intégralité euh, de ce service de type container. Complètement compatible avec les, les, les standards que, que vous pouvez retrouver sur le marché. D'accord. Et donc vos développeurs, eux, ils peuvent développer on-prem, ils peuvent développer dans le cloud. Peu importe où ils développent quelque part, ça va être compatible et vous pouvez également avoir cette rétrocompatibilité en termes euh, d'application. Donc ça favorise l'innovation. Ça veut dire <coughs> que le, le développeur finalement peut hein, inventer n'importe quel service ou n'importe quel outil et ensuite ça part, euh, ça peut être automatiquement mis en application, passé en production. Alors, ça, c'est une bonne question. Ouais. <laughs> enfin. Non, 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 ça, c'est une bonne question. Euh, en fait, il y, y, y a deux éléments clés, euh, je pense, qu'il faut prendre en, en compte dans cette, euh, cette question-là. Il y a la question de comment je fais pour réduire le temps euh, de mise en production de mon application. Alors, mm -hmm. mise en production, même de, de la création à la mise en production. Vous avez une super idée, là. Ouais. Il faut absolument que je, je concrétise ça parce que bah, quand vous avez une idée, vous êtes sûr qu'il y en a 10 dans le monde qui en la même. Et donc il aller tout de suite. Et seulement 2 qui vont y arriver. C'est pour ça que vous êtes toujours un concurrent. D'accord, ok, <laughs> c'est bon à savoir. <laughs> et donc globalement, comment vous faites pour être le premier sur le marché pour arriver euh, extrêmement rapidement Et nous, on fournit un certain nombre d'outils qui vont permettre d'automatiser justement toute cette chaîne, tous ces pipelines de CI-CD, d'intégration, de, 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 de delivery, d'applications. Euh, et et l'intérêt de, 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 de le faire euh, avec nous, c'est que globalement, on va être euh, compatible avec ce qu'il y a on-prem et ce qu'il y a également dans la partie euh, multi-cloud. Ça, c'est la première chose. Deuxième, deuxième, deuxième point sur la question, c'est euh, le paradoxe mm -hmm. qu il existe, qui existe entre, d'une part, les développeurs qui veulent avoir une agilité euh, extraordinaire. Bien sûr. Ouais. Et d'autre part, la production. Qui veut quelque chose de statique, de principe. contrôlable. Le principe voilà. même de la production, Mais bien sûr. Principe de production, ça... pas de changement toutes les quarts de seconde. Voilà, bah, ouais. Sinon, ça ne marche plus. Sinon, ça ne marche plus. Ouais, ouais. Ça marche plus. Ouais, sinon, ça, ça marche ça bien. bien. <laughs> Donc, en fait, l'idée, c'est ça. C'est comment on arrive à résoudre ce paradoxe. Euh, et euh, nous, on arrive à le faire, euh, tout simplement parce qu'on va gérer l'intégralité de, de la stack mm -hmm. euh, et euh, on va euh, fournir une API aux développeurs. En mettant les règles de sécurité et les règles de production de euh, la production informatique. Et donc, le développeur, lui, à un moment donné, bah, il, va, il, va, il va se retrouver à faire réellement son travail, c'est-à-dire qu'il va développer du code et donner de l'intelligence au, euh, au niveau de l'application, sans s'occuper de comment je fais pour orchestrer les containers, comment je fais pour sécuriser les containers, comment je fais pour déployer les containers. Ce qui ça, évite est de faire et réagi. les faire, parce qu'entre-temps, la production a dit qu'il fallait faire autrement. Et exactement. Et exactement, en plus, oui. Tout à fait. Et, euh, et, et, et en fait, euh, eux, ils gagnent du temps, ils sont beaucoup plus productifs. Alors, je reviens sur ma productivité, mais c'est un peu ça. Bien ils sont sûr. beaucoup plus productifs dans leur ligne de code, parce que c'est ça. Ils font leur code, leur, euh, ils, sont, ils sont, entre guillemets, payés et puis ils sont brillants à faire ça, et moins dans le déploiement ou dans la sécurisation des conteneurs. Et l'IT, en fait, euh, eh ben, elle, elle s'occupe des containers. Sauf que aujourd'hui, la problématique que l'on a, c'est qu'il n'y a pas ou peu de compétences qui sont capables justement d'orchestrer ces containers de, 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 en production à l'échelle. Okay. Parce qu'il y a des problématiques de compatibilité, de réseau, de système, de stockage. Euh, VMware peut être un acteur qui peut les aider à justement réduire ce gap-là, déjà en amont, leur permettre de libérer du temps, comme je l'ai dit précédemment. Pouvoir se former, il ça, n'y ça, a, a pas de magie dans la il n'y a pas de magie de nulle part. Il faut vraiment faut, faut s'intéresser au sujet, il faut être passionné, il faut, faut, faut connaître ce sujet-là. Et après, nous, on simplifie la mise en œuvre pour pouvoir justement avoir tous ces bénéfices que j'expliquais. Très ouais. rapidement, parce que je sens que ça, ça vous tenait à cœur dans, dans, les, dans les réponses, le sujet euh, euh, intelligence artificielle et machine learning, donc c'est la prochaine étape. Et là aussi, euh, la stratégie multi-cloud, le rôle de VMware sont des maillons essentiels dans le développement de ce type de stratégie. Oui, alors euh, le, toute la partie AIML, euh, généralement, euh, ce qu'elle va utiliser, c'est euh, du matériel spécifique, euh, qu'on appelle euh, des GPU, des DPU, euh, qui vont avoir euh, une capacité de traitement énorme. D'accord. Sur une carte. Il faut calculer, de toute façon. Il faut calculer, il faut faire de l'inférence, il voilà, faut, faut faire tout un, tout un tas de, de calculs scientifiques qui, sur des CPU classiques, sont faisables, mais en euh, 50 fois plus de temps. Quoi. Donc l'idée, c'est euh, d'arriver à fournir de plus en plus on-prem, et on travaille également avec nos services providers, euh, des solutions, tout en un avec des partenariats. On a eu un partenariat typiquement avec euh, Nvidia mm -hmm. récemment, qui permet euh, de déployer des applications <coughs> déjà, euh, je dirais, enfin euh, euh, des modèles, oui. on va dire plutôt, des Bien modèles sûr. déjà euh, un peu entraînés, par mm -hmm. exemple pour reconnaître euh, des voitures, pour reconnaître des panneaux, euh, déjà pré-entraînés, qui sont déjà déployables sur nos systèmes VMware et qui permettent justement aux développeurs et aux data scientists d'aller mettre la valeur ajoutée sur ces applications plus que de gérer l'infrastructure, créer les modèles et gérer toute la tuyauterie. Donc, on en revient effectivement sur ce sujet créativité du développeur, VS, production. Où là, Exactement. en l'occurrence, c'est un peu plus que de la production, aussi concerne le machine learning ou l'intelligence artificielle. Mais on reste sur ces mêmes mécanismes. Merci beaucoup, Michael Tissandier, d'avoir partagé votre expertise avec nous sur le plateau du rendez-vous des décideurs IT. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et je rappelle que vous êtes expert en architecture multi-cloud chez VMware. Et merci à vous de nous avoir suivis depuis le plateau du rendez-vous des décideurs IT.